Bonjour, je m'appelle Mame Famé Camara et je suis journaliste écrivaine. J'ai publié quatre ouvrages, Une femme rock et mon cinquième. Ce qui m'a motivée, c'est que comme je suis journaliste, j'ai eu à faire des reportages à ONU Femmes. Et là-bas, je rencontrais des associations de femmes et on discutait beaucoup sur les problèmes que rencontrent les femmes dans leur ménage. Donc, c'est ça qui m'a inspirée. J'ai pu recueillir beaucoup de documentation là-bas. Et au niveau de mon entourage aussi, j'ai eu à voir des femmes qui souffraient dans leur ménage et qui ne pouvaient rien faire. En fait, le roman relate l'histoire d'un couple. C'est un couple sénégalais, Fally et Damel. Donc, tout se passait très bien au début. Ils étaient très amoureux. Mais à un moment donné, Damel va faire la rencontre d'une autre femme. Et là, tout va chambouler. Et il va devenir une autre personne. Et à la fin, il va divorcer. Je relate la situation des femmes dans leur couple. C'est très difficile quand le mari rencontre une autre femme. En général, c'est toujours le mari qui part, qui devient silencieux à un moment donné, qui devient une autre personne. Et le couple qui est censé être un lieu de partage devient un lieu de rapport, de force. Et il y a un dominant et une dominée. C'est la femme qui devient la dominée et le mari devient le dominant. Et la femme sénégalaise en général, elle fait le mouigne, comme on dit, ça veut dire l'endurance. Et elle endure. Il y en a qui partent et la majorité des cas, elles restent parce que quelquefois elles se disent qu'elles ne peuvent pas partir parce qu'il y a les enfants qui sont là. Quelquefois elles n'ont pas les moyens de partir. Quelquefois elles sont amoureuses, elles restent et elles endurent, comme on dit.